Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour celles et ceux qui aimeraient jouer sur leur console à l'hôtel. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de télés aujourd'hui qui sont bridées à l'hôtel et qui ne permettent pas d'accéder directement à la chaîne auxiliaire. Je pense notamment au rétro gaming justement. Tout ce qui fonctionne avec des Péritel et autres RCA ne dispose plus de chaîne AV qui boot directement. Alors vous allez me dire, il suffit parfois simplement d'allumer la console et ça boot directement. Et bien là, vous voyez que c'est pas le cas. Et donc, vous allez me dire, il y a juste à prendre la télécommande et à changer les chaînes. Le problème, c'est que quand on va dans le menu, voilà ce qu'on a. On a un guest menu. Un guest menu qui nous bride, en fait, c'est la bride de l'hôtel, qu'il va falloir essayer de contourner pour pouvoir accéder pleinement à toutes les chaînes AV, à toutes les chaînes auxiliaires que permettent la télé. Alors, je suis sur une chaîne, sur une télé Philips, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir que Philips équipe une très très grande majorité d'hôtels en France, que ce soit Campanile, là je suis dans un Campanile, que ce soit Kyriade, que ce soit Ibis, etc. Alors, il y a une manière très simple de contourner ceci. Il y a un code très simple à faire via la télécommande, qui est tout simplement de se mettre. Alors, vous mettez sur n'importe quelle chaîne et vous faites le code suivant. Vous faites 319 753 et le silence. Et là, ça vous ouvre un onglet Setup dans lequel vous allez aller sélectionner configuration. Une fois dans configuration, vous allez sur allumer OST et vous allez sur chaîne à l'allumage. Alors moi je l'ai déjà fait avant, c'est pour ça que je suis déjà sur Side AV. Mais normalement ici vous allez trouver TF1, France 2, etc. Donc vous allez sur l'AV qui est sélectionné, vous ressortez comme ceci, vous éteignez votre télé. Et forcément, quand vous la rallumez, alors ça va prendre quelques secondes de plus, mais quand vous la rallumez, ça va booter directement sur la chaîne auxiliaire demandée. Voilà, là c'est marqué Side AV. Et voilà, on est bien sur l'écran d'accueil de ma PS2. Voilà, merci à tous et bon jeu!